Le projet Ronchamp, vous le connaissez tous, il avait en vue la construction, la création d'un monastère et de cette porterie. Et il a duré, confié à Renzo Piano, il a duré de 2006 à 2011, donc 5 longues années. Alors ce fut une période, on peut dire, passionnante, mais très difficile. Très difficile à vivre pour tout le monde. J'ai eu la nécessité intérieure d'exprimer ce que j'avais dans le cœur et qui bouillonnait parfois, et de l'exprimer sous ma forme d'expression qui est l'écriture, des poèmes, de la prose poétique plutôt. Et donc la musique qu'on a choisie aujourd'hui, c'est un petit peu en mise en résonance de ce qu'on a lu, des poèmes de Sœur Marie-Claire, et puis aussi ce que l'on a ressenti et ce que nous on découvre des sœurs. Donc il y aura alternance entre musique, poèmes et musique. Et voilà, et je vous encourage, à, malgré le temps, à ce qu'on arrive à avoir ce silence intérieur qui, je suis sûre, nous fera passer un très bon moment. Vivre à l'abri du pèlerin, c'est connaître à nouveau l'enchantement du monde. Les larges tapis verts aux pentes douces, le soleil levant, jaillit de l'horizon, éclairant peu à peu de sa lumière, la colline tout entière, le village endormi. Et Marie se révèle, éblouissante, femme vêtue de soleil, accueillante à tous ses enfants. Dépossédé, mais confiant, dans le grand amour du Père qui prend soin de ses enfants. Qui sont Le Corbusier et Renzo Piano au sein de cette immensité? Deux hommes qui ont perçu une part infime des harmoniques de l'univers et qui, de tout leur talent, ont joué leur partition d'architectes audacieux. Épuré. Bienheureux sommes-nous de vivre en leur sillage de beauté.